Bonsoir et bienvenue pour nos bulletins sport pour ce dimanche le 26 novembre. Nous démarrons avec sport national. Dans Beach Soccer interscolaire, compétition organisée par l'école Pointe-la-Rue secondaire, c'est l'école SIT qui finit vainqueur. Zot pesé final contre l'école maritime et SIT y battait 4 lodi. C'est ministre pour l'éducation. Docteur Justin Valentin qui remet la coupe et médaille et gagnant ça l'école SIT. Nous prenons plus de détails dans un prochain bulletin le 6e Bitsoc était scolaire. Section sport pour tour côté NSC qui organise la 18e compétition Fitness Seychelles Parent Welcome National Competition pour l'école primaire de Cécile. Là, environ une centaine d'enfants sortis de 10 écoles qui participent de cet événement sportif contenant différentes compétitions telles qu'ils sautent la corde et l'exercice dans CSO parmi les autres. Bien sûr, bi par derrière sa activité, c'est pour aider bonnes enfants à rester en bonne santé, ainsi bien qu'ils combattent contre l'obésité dans le pays. Tout ti dématisé bon matin côté Victoria Gym côté banan enfants ti met à parer pour zota démontrer zota talent de banan différentes compétitions qui ti le programme. Première compétition ti CSO côté la banan enfants sorti le marek parler ti montrer zota talent et quand CSO bien si ça 10 l'école qui ti peut participer dans cet événement. Ti gagne à saken un numéro côté après ça performance sa 5 maman ziri présent ti donne dans zota point et ti gagne azout ensemble pour zout kon dans zout point final pour CSO ti dans compétition pour bonne fille et ka garçon individuel aussi bien qui mixe par 3 et ka 5 qui tient cliban garçon et fille mélangé ensemble. C'est l'école numéro 10, grand ensemble prend les primaires qui se domine et puis quelque chose pour autres finir comme meilleure l'école, pas devant l'école B7 primaire et l'école Bilhomme. Deuxième activité, le programme qui saute à l'ordre, encore là quelque chose qui vraiment intéressant. Ça dit ça l'école, tu démontrer ça qu'ils ont tu apprendre côté l'école exotban enseignant, zi ça pareil à CSO, saute la corde aussi chez en fille et qu'un garçon individuel, mix 3 et qu'un 5 ban garçon et fille mélangé ensemble. Là, c'était ban point final qui tu pour déterminer lequel l'école qui tu pour finir comme meilleur. Pour saute la corde. L'école B7 en primaire est sortie 3e en Saboualo dans la 2e position. Et encore là, c'est l'école Grand Ensa Pralin primaire qui finit comme meilleure l'école. Dernier le programme, c'est l'exercice et la musique. Côté là, toute l'école qui participe pour sa haine, bon enfant, c'est dans 3 minutes pour zote faire zote chorégraphie, pour zote en masse point pour zote l'école. Ti même en un groupe zen à seulement 7 ans sorti l'école en étoile qui ti démontrer les autres talents. Sa performance par l'école en étoile, c'est assez pour faire zote finir premier et meilleure l'école pour l'exercice et la musique. Deuxième, c'est l'école en Swalo et troisième, c'est l'école B7 primaire. Pour bon membre organisateur, même si zote pas gagné l'endroit l'habitude pour organiser ça l'événement, zote est bien satisfait et que la façon que chose est déroulé, surtout là, qui zote gagné plus participation et peu plus à l'école. Participation mamay aujourd'hui mon ay excellent et au niveau mamay malgré il en 10 l'école mais c'est le moment où sa performance nous une donné est vraiment excellent so nous suis capable gagner plus mais à cause my timing et l'examen next week so mon satisfait avec 10 l'école qui ne ment pas ouais il en fait fort mais c'est moi aujourd'hui par exemple nous habitué faire contre ICS ou bien auditorium niveau un petit peu plus haut nous gagne pas gagne à cause nous faisons un petit peu tard, une école d'activité. Mais c'est moi, pareil, nous décor là, mon content. Les parents welcome, pareil, là, pour avoir un parent qui n'accompagne pas les autres enfants. Nous appelons les parents welcome de l'école. C'est une activité qui nous
qui s'est établi 18 ans passé pour nous faire Tobin City. Comme si nous souhaitons réaliser là, les mamans dansaient une performance de groupes ou bien de skipping rope, nous sommes pour mélanger. Nous ne mettons pas maman maigre, nous mettons maman grosse. Pour n'a pas sa table, pour nous dire maman grosse. Ça, c'est un programme, il y a un clip qui existe avec l'école. Ça. Il y a un bon teacher qui a tassé avec, il y a un bon assistant qui aide. Soit nous faisons masser ou bien nous traînons pour nous faire performer tous les années de cette activité. C'est l'événement sportif pour faire encore l'année prochaine entre novembre à décembre. Et oui, voilà, et l'ambiance particulière dans Victoria Gymnasium. Dans le football, Belé, il monte deuxième le classement championship après Goutte, son quatrième victoire sa saison. Hier, dans notre cinquième rencontre, Zoé, l'entraîneur Mervin Mathieu, qui bat Bosco FC, 3 goals l'Odé, et Roussa l'équipe, qui Bertrand Esparon, qui score un free kick 3 minutes avant le match terminé. Bon point fort avec Jefferson Kilendo. Pour sa match, Bosco sorti point de la rue, qui peut venir aux autres premières victoires sa saison, tandis qu'Ibélé, une victoire, qui peut mettre aux autres deuxième le classement. Les autres, qui commencent match avec 4 nouveaux joueurs. Raphaël Cométan, Roddy Mélanie, ancien joueur Saint-Louis, Bertrand Esparon et 15 joueurs Malgas Samuel. Bosco, qui sa meilleure équipe de sa première 45 minutes jouée, bonnet même, Shakil Pancour, il rate un joli sens. Mais dans la 7e minute, Zéphore Bosco qui paye frais, l'air qui belé, il pas capable de faire l'essentiel avec un corner. Bosco qui contre-attaque, Malgas Félistin, il commence toute action pour voir Kelson British dans le milieu de la plaine. Et lui à son tour, il passe avec Brian Malbrook qui alerte Félistin qui tient finalise devant de l'attaque. Sa ancien joueur Saint-Michel, Youvesco, sa rencontre. Bosco passe devant un goal, le 0. À présent, c'était Zotoponan en orange qui tient à la recette, un goal égalisation. Le centre Bercho, goalkeeper Liam Mélanie, qui arrête sa haine pour empêcher Roddy Mélanie score. Bosco, qui fait une défaute défensive, si tout belé, pas capable de pénétrer Zotoponan l'année défense. Mais Captain Norris Bibi, après ça, qui fait cadeau, goalkeeper Mélanie, le bon sens. Belé, Tchokop, essaye d'assister de sa match. Encore l'état total offensif, Bibi y centré, Zisbon le deuxième poteau pour Janel qui met score égal un partout dans la deuxième minute de temps additionnel la fin première moitié. L'aider l'équipe qui a le vestiaire avec score égal 1-1. Mais Belé qui regroupé pour donner un plus bon performance dans la deuxième moitié. Il existe 22 secondes chassées pour les autres passes en tête. L'air passe sorti loin derrière, côté commettant. Il tombe pour Janel. Sa joueur, il cross pour Norris Bibi, qui l'y a rangé pour Bidi, qui va son shotgun bloqué avant qu'il boule bounce d'un goal pour Belé pour l'avance des goals loin. Et tient deuxième match consécutif après rencontre avec Marine Maintenance week-end passé, qui Bosco tient l'avance dans un match championship. Après ça, dans 78e minute, Zoé Raphaël Cométan il fait bon travail de côté droit et goalkeeper Mélanie y intercepte son centre, mais le rebound Bercho parti capable boire target. Bosco parti laisser les bois tomber, Zoti gagne l'opportunité seconde après, mais Brian Malbrook parti capable battre goalkeeper Raphaël Jean. Le son côté Belé, qui pourrait pour 6 points, ça l'équipe pointe de la rue avec un autre goal. Le centre Captain Bibi, il passe direct et déflecté le crossbar. Dans la deuxième la moitié, Tissiman est meilleur pour sa l'équipe Belé. Dans la 35e minute, le cross Roddy Mélanie, downward header Bercho, qui déflecté avec crossbar. Et le rebound qui t'y suive, Bidi aussi voit son shot tape avec bar pour une deuxième fois consécutive. Après ça, dans la 36e minute, Bosco il gagne un free kick après sa faute, le Félistin. Là, Shakil Pancour il fait craquer sa haine direct dans le goal pour remettre score égal, sa fois-ci, d'aider pour Bosco. Encore, on a suffisamment le temps pour aider l'équipe à sortir avec tous les 3 points. Mais ça qui type li envie gagner, qui type capable de faire li, et là c'est Bertrand Esparon qui te donne tous les 3 points belé de 87e minute joué. Là il score un joli free kick qui bat le goalkeeper Liam Mélanie.
Sa victoire 3-2, il permet à sa équipe l'entraîneur Mervin Machot, mode deuxième, le classement championship, le 12 points, égal avec Maldives qui est de troisième position, mais avec un plus bon différence goal, les autres pas devant sa équipe Normae, et les autres 10 un point par derrière leader classement Tigers, et ça y fait qui Bel Air y reste de parcours pour Cheat League sa saison. Premièrement, je voudrais féliciter l'équipe Bosco pour toutes les prestations aussi. Et par contre, nous bien, si je considère le premier half, je crois que nous avons l'occasion, nous avons des problèmes avec ça bout de devant. Nous avons une chance, mais nous n'avons pas concrétisé. Mais par contre, deuxième half, nous improvons là. Et nous avons un peu plus d'intensité sur nos deux points. Et c'est ça que nous avons envie. Mais malheureusement, si nous avons des problèmes, si nous avons des problèmes, nous avons des problèmes, mais c'est nous n'avons pas concrétisé. Et ça y a même des danger. Et nous, qui à la fin du jour, nous besoin de la guerre jusqu'à le dernier pour nous gagner sa victoire aujourd'hui, qui est vraiment important pour nous gagner nos deux. Il y a trois matchs volleyball zone deuxième division qui nous jouent aujourd'hui. Tous les trois, c'est le gymnase La Promenade. D'abord, c'est dans Saint Francis qui peut jouer contre Neo Youth. Et Saint Francis fait victoire 3-0. Arsou Brothers, si après jouer contre Outsiders, Arsou il perdit 2-3 contre Outsiders. Et Saint Louis aussi, il perdit son match N3 contre l'équipe Airwaves. Et oui, voilà, c'est une bonne nouvelle sport pour ça dimanche. C'est un plaisir pour avec vous. Merci pour suivre et passe et bonne semaine.